Fury, c'est pas à nous que ça arriverait, hein. Tu te vois en train de nous disputer à cause de Chen ou de Caprice? Ça non, c'est toujours toi qui invite Chen au cinéma et moi, c'est Caprice. Comme ça, pas d'histoire. Au fait, tu m'as toujours pas dit, tu peux venir ou pas à mon anniversaire demain? Bah non, finalement, ma mère, elle a pris rendez-vous pour moi et ma sœur chez l'ophtalmo. Tu peux pas me faire ça. C'est pas ma faute, elle a pas pu changer le rendez-vous. Oh, c'est trop bête. On va super bien s'amuser, il y aura que mon pépé pour nous surveiller. On pourra jouer dans le jardin. Ouais, c'est dommage, en plus Caprice, elle m'a dit qu'elle venait. Allez, si ça peut te consoler, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Yeti, elle a réussi à se faire inviter. Non, Yolande. Oh, dur. Tu me raconteras jeudi. Au fait, puisque je pourrais pas être là demain, bon anniversaire, Cédric. Ah. Waouh, la BD que je voulais. Merci, Christian, t'es vraiment un super pote. Alors, ton anniversaire, c'était bien? Ouais, bof. Tu sais, rien de spécial. Oh. Cédric, attends-moi. Au fait, tu l'as apprise, toi, la récitation? La récitation? T'es sûr que tu vas bien? Allez, quoi, raconte ta fête. T'as eu quoi comme cadeau? Rien de spécial. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Mais rien, qu'est-ce que tu vas chercher, là? C'était juste un anniversaire, comme d'hab. Quoi? Me dis pas qu'avec Yeti, il s'est rien passé. Il se passe toujours quelque chose avec Yeti. Mais puisque je te dis qu'il s'est rien passé de spécial. Oh. Hey Valérie, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui Cédric? Ça s'est pas bien passé hier son anniversaire? Tu rigoles? On s'est super bien amusé. Surtout que son pépé il nous a laissé jouer tout l'après-midi dans le jardin. Ah ouais, vous avez joué à quoi? À un super jeu, le jeu de la bouteille, tu ne connais pas? Tu fais tourner une bouteille et si elle tombe sur toi, tu as un gage. Ah, c'est super marrant. Allez, vas-y Valérie. Enfin, ça dépend du gage, hein. C'est vrai, ça a l'air marrant comme jeu. Oui, et si tu ne veux pas faire le gage, t'en auras encore plus dur. On peut jouer encore une fois. Tu m'avais pas dit pour le jeu de la bouteille? Le jeu de la bouteille? Hein? M'en parle pas, c'est Yeti qui a inventé ça. Oui, et tout ça à cause de Nicolas. Allez, amuse-toi bien. Moi, mon anniversaire, il y avait un magicien. Hey, salut Manu. Bon anniversaire, Cédric. Merci. Salut Yolande. Salut Minus. Oh. Ils sont tous aussi ringards, tes copains. Oublie ce que j'ai dit, il y en a un au moins qui est un peu de classe ici. Nicolas Dolnay des Charentes du Vent, tout, quelle bonne surprise. Tu te souviens de moi, Yolande Carfavel? Ah ouais, salut. Cédric, merci de m'avoir invité, bon anniversaire. Ouah, super, j'imagine la tête de Yeti. Chapeau le Nicolas. Ouais, bah j'aurais préféré qu'il s'intéresse un peu plus à elle, parce que... c'est là qu'elle a eu l'idée de son jeu idiot. Bon, d'accord, au début, les gages étaient sympas, mais après, c'est devenu un vrai cauchemar. C'est à moi. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveau gage? Pour toi, tu vas devoir manger une fourmi. Oh non, alors, c'est pas juste. D'accord, puisque tu veux pas faire ça, alors va falloir que tu embrasses celle-là sur la bouche. De toute façon, moi, je préfère manger la fourmi. À la télé, j'ai vu, il y a plein de tribus qui mangent des fourmis. Il paraît que c'est super bon. C'est ça, vas-y, mange ta fourmi. T'es rien qu'à te dégonfler. Tout ça pour un petit bisou sur la bouche. Les jeux des grands, c'est vraiment pas pour vous. Même pas vrai. Et d'abord, Manu, il aime peut-être les fourmis. Tu parles, il faisait les dégoûter au début. Mais après, ils voulaient tous jouer à ça. Même qu'ils faisaient tous exprès de donner des gages super durs. Rien que pour faire le coup du bisou. Non. Et tout le monde l'a fait? Bah oui, enfin je crois. Même Caprice? Ah, Caprice, je sais plus moi, j'en sais rien. En classe, en classe les enfants, en classe. À demain les enfants. Hé hey Manu, t'as pas vu Cédric? Oh, oh.
C'est toi, Christian? Bonjour, monsieur. Bah alors, on t'a pas vu à la petite fête de Cédric? Vous pouvez pas venir, monsieur. Il est déjà rentré, Cédric? Il est dans sa chambre. Tu peux monter. Cédric, c'est pour toi. T'aurais pu m'attendre quand même tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien. D'habitude, on rentre ensemble. Et puis, tu m'as toujours pas dit si Caprice, elle a fait le coup du bisou ou pas. Et me dis pas que tu t'en rappelles pas, hein. Tu me promets que tu vas pas te fâcher? Bon, alors écoute. Je vais te dire quelque chose, Yolande. Toi, t'es amoureuse de Nicolas. N'importe quoi. Et t'as pas intérêt à raconter ça. T'es amoureuse. T'es amoureuse. T'es amoureuse. T'es amoureuse. Alors, à qui te... Arrête. Et puis, dis donc, toi, t'es toujours amoureux de ta chinoise, hein. Tiens, il faut que tu fasses la grimace la plus moche. D'accord. Puisque c'est comme ça, faut que tu avales une grosse araignée toute crue. Caprice? Mais alors qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé l'araignée, j'espère? Ça va pas, non? T'as embrassé Caprice? Quoi? T'as embrassé Caprice sur la bouche? Et tu te rends compte, j'ai dû faire ça devant Chen. T'avais pas le droit, tonton. T'avais pas le droit. Arrête, c'était ça où je passais pour un dégonflé. L'empêche. Mais c'est pas ma faute, c'est Yeti. C'est ça, c'est Yeti. T'as embrassé Caprice sur la bouche. T'es qu'un traître. Et puis d'abord, t'es plus mon copain. Christian, attends. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Un sacré gamin. Des bisous sur la bouche. Et tout ça pendant que je regardais la télé. C'est pas drôle, Pépé. Oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche qu'après, je me suis bien vengée. Quand ça a été mon tour de jouer, c'est tombé sur Yeti. Eh ben, je l'ai obligé à embrasser Caligula sur le museau. Oh, bravo, gamin. Elle l'a bien mérité. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que tu aies embrassé une autre fille devant ta vietnamienne? Chinoise. Chen, elle est chinoise. Ou que Christian soit fâché contre toi. Ta Chen, elle savait que c'était juste un jeu. Mais Christian, lui, il n'était pas là. Alors c'est normal qu'il le prenne au sérieux. Tu le crois pas? Hé, Christian! Tu viens jouer? Allez, viens! Laisse-moi tranquille, espèce de traître! Mais Christian! Je veux plus te parler, t'entends? Plus jamais! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oui, ça suffit maintenant! On en a marre de vous voir vous faire la tête! Ça a duré toute la journée! Oh. C'est rien, c'est juste que j'ai oublié de lui rendre un jeu! Qu'à lui rendre demain, c'est tout. Vraiment, les garçons, des fois, ils sont trop bêtes. Allez, viens, laisse-les disputer tout seuls.
Sympa de pas avoir dit pourquoi je te faisais la tête. Tu sais, moi, c'est Chen que je voulais embrasser, pas Caprice. T'as raison. Et puis, ça comptait pour du beurre, non? En plus, nous, on avait dit qu'on se disputerait jamais à cause des filles. Bah, c'est raté. Alors, copain comme avant? Copain comme avant. Quand même, je voudrais bien savoir, ça fait quoi d'embrasser Caprice?